La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenue au programme de la sexualité féminine. Bonjour Elena. Bonjour Clémence. Ça va? Tu vas bien? Va bien. Ok. Donc nous sommes deux psychanalystes de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero de Madrid. Du sud de l'Europe et pour tous les francophones, arrivent une fois de plus les textes traduits en français par Claire de Lupi du grand poète et psychanalyste Miguel Oscar Menasa. Un poète hispano-argentin qui a coutume de dire qu'il est plus espagnol qu'argentin car il a publié plus de livres en Espagne. L'écriture est pour tout psychanalyste d'une importance primordiale, car c'est le seul véritable moyen qu'il aura de rendre compte de sa formation. Et parce qu'être psychanalyste, c'est entre autres travailler pour la diffusion de la psychanalyse. Voilà pourquoi nous sommes ici. Anthropologue contemporain, Miguel Oscar Menasa décrit l'absurde situation de l'être humain, cette peur de la mort qui le comble de tous les maux, cette peur qui le soumet au délire des dirigeants, à la fameuse globalisation qui voudrait annuler la différence, et la particularité de chaque personne en réduisant les désirs à une seule manière de désirer, à une seule manière d'obtenir le bonheur. Dans le deuxième manifeste du Grupo Cero, Menasa écrit « Nous ne voulons pas abolir la justice ». Nous voulons ajouter à la justice la capacité de détecter les différences. Au sud de l'Europe, nous savons qu'il y a beaucoup à faire et que l'or pur, c'est l'or du travail. C'est pourquoi nous traduisons avec la régularité que réclame le travail l'œuvre de cet immense poète que nous voulons diffuser dans cet espace radiophonique. La traduction, la radio, c'est une autre manière de dire. Une autre manière de lire et une obligation pour nous qui nous sommes alimentés et qui continuons à nous alimenter depuis des années de cette écriture. Ce qui est révolutionnaire, c'est de demeurer, de persister dans une discipline humaine comme la science, l'art, la poésie, par exemple. Et il faut savoir que dans des temps comme les nôtres où tout vacille et menace de s'effondrer, ne l'oublions pas, une fois de plus, la poésie est un art chargé de futur. Utilisons-la. Utilisons la poésie. Et Menasa nous écrit encore un autre texte. Je dois le reconnaître. J'aime marcher par les chemins qui ne sont pas tout à fait construits. Parfois, je me distrais en marquant avec mes pas les limites du chemin. Parfois, je me laisse glisser sur des pas antérieurs, vivant des vies déjà vécues, parce qu'il n'y a pas mieux. Ce n'est pas que je ne puisse pas écrire ça ou ça. De tout ce que je n'ai pas écrit, quelque chose était déjà écrit. Et comme celui qui répète ce qui a déjà été fait ne la trouvera jamais, moi, je fuyais. Je fuyais de tout passé, de tout avenir. Je ne me suis consacrée qu'aux éclatements, aux phrases sans temps. D'autres ont essayé, mais personne mieux que moi pour mettre entre les mots un morceau de chair, des lèvres tombées pour toujours. Mettre entre les lettres tout le pouvoir de la parole, sa force. Et ce n'est pas que je me vante de mon sort, parce que comme tant de poètes, presque uniques, moi aussi je suis condamnée. Suspendre l'amour pour pouvoir le chanter, pour que dans le futur aussi on sache aimer. Suspendre l'amour, c'est ce qui est le plus douloureux. Parfois, je passe mon temps enfermé dans un petit vagin, essayant de trouver dans l'âme d'une femme une imperfection. Et je n'arrive à rien. Son âme est parfaite, mais elle ne la connaît pas. Elle l'a tellement livrée par amour que ce n'est plus son âme. Nous avons écouté un texte du poète Menasa qui nous parle de la femme. Oui, effectivement. Nous avons Menasa, c'est
un poète psychanalyste qui a travaillé principalement, qui a étudié principalement la femme et qui peut nous en dire beaucoup. Par exemple, une autre chose, Elena, écoute. Oui. La femme a gardé secrètement une énergie inexistante pour l'homme. Pour cela, je cherche en elle, poète incorrigible, le perdu, le jamais trouvé, l'imparfait qui nous rend sublime. Vous, ma petite chère amoureuse, si vous ne m'aviez pas rencontrée, vous seriez condamnée à la douleur. Il est important de se rendre compte que pour la femme, la rencontre avec la psychanalyse, c'est la possibilité de faire parler cette femme qui est en elle. C'est pas la possibilité de la créer, parce qu'elle ne la connaît pas, elle n'existe pas. C'est la possibilité de construire une autre sexualité, parce qu'on dit qu'en psychanalyse, la sexualité aborde absolument tout l'humain. C'est-à-dire que quand elle parle, c'est sexuel. Pour construire une sexualité adulte, voilà ce que lui propose la psychanalyse. Une sexualité qui ne sera plus dominée par la jalousie et l'envie. Pouvoir aimer au-delà de la famille, être le produit de son désir, pour ne pas être obligé de suivre les modèles idéologiques qui l'amènent trop souvent à s'embourber dans des chemins déjà tracés. Et aussi pour les hommes. Et aussi pour les hommes, effectivement, Elena, tu as tout à fait raison. Ne nous limitons pas, parce que nous savons que dans chaque homme, il y a aussi une femme qui est trop souvent réprimée, comme chez la femme elle-même. Mais qu'il faut réveiller et mettre en place et grâce à la parole. Et Clémence, Menassa nous dit, le problème de la femme actuelle, ce n'est pas sa sexualité, mais la folie morale qui s'empare d'elle dans le déroulement de sa sexualité. Effectivement. C'est-à-dire que vivre une sexualité en liberté, c'est très difficile pour la femme. Oui, oui, oui. Très difficile. C'est très difficile. Et c'est-à-dire que ça va lui, pour sa morale, la morale qui l'empêche de vivre cette sexualité en liberté. Donc elle va très souvent réprimer cette sexualité et ça va évidemment causer des troubles. Mais ce sont nécessaires les utopies. C'est-à-dire de penser que si c'est possible. Oui, oui. Effectivement, mais déjà avec la psychanalyse, une femme psychanalysée, c'est une femme qui s'ouvre à d'autres possibilités. La liberté, liberté n'existe pas, nous le savons, mais une ouverture est possible. Oui. Mais là, ça nous dit aussi, quelqu'un devrait démontrer au monde qu'on a fourvoyé le destin de tout un siècle en pensant que la répression génitale rendait l'homme, la femme aussi, plus civilisé, mieux doué pour l'art, pour les constructions sociales. Et moi et toi, mon amour, qui parfois semblons tant, nous devrions leur montrer, et je ne suis pas sûre de pouvoir le faire, l'animal ne peut être dominé par le symbole. Sachant qu'il va mourir, l'unique chose qui l'intéresse, c'est de s'accoupler, aimer, faire l'amour, baiser en langue plus correcte. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est-à-dire que la société victorienne continue à dominer le 21e siècle aujourd'hui et nous pensons qu'un artiste, non, même pour les grands sportifs, c'est un peu la même chose, qu'il est nécessaire de réprimer la génitalité, la répression génitale, la génitalité, oui, ça fait le génie, et les activités sexuelles pour être plus productif, on va dire, dans d'autres secteurs. Mais ce n'est pas vrai, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'une vie, une bonne vie sexuelle, elle nous permet de développer beaucoup plus de choses. Et une bonne vie sexuelle, ce n'est pas seulement baiser ou faire l'amour, mais sinon que c'est aussi pouvoir parler, être en relation avec les autres, multiplier nos relations sociales. Oui. Bon, je continue le texte de Menassa. Il dit, c'est pour ça que la seule chose qu'on puisse faire pour pouvoir quelque chose, c'est de cesser de s'aimer soi-même. Et ça, c'est ce que les bêtes ne peuvent pas. Ça, c'est aussi tout un défi pour l'être humain. Ne pas s'aimer en exclusivité, parce que arrêter de s'aimer pour pouvoir donner quelque chose à l'autre, ça, ce serait un geste d'amour.
C'est un travail nécessaire pour ser humain. Pour l'être humain, pour se réaliser, oui. Effectivement. Pour se réaliser, parce que sinon, il ne fait pas grand-chose. Donc, pour parler un petit peu de cette sexualité, par exemple, chez la femme, Freud nous a montré que la sexualité ne se termine pas chez la femme à la ménopause. C'est-à-dire que ça, ce serait confondre la sexualité avec la reproduction. La femme, au moment de la ménopause, elle ne craint plus la grossesse. Donc, elle peut faire l'amour en liberté. Elle n'est pas poursuivie par l'espèce humaine qui lui dit « tu dois te reproduire, il est nécessaire que tu fasses le travail de la reproduction pour l'espèce ». Sinon, qu'elle peut faire l'amour en liberté. Un amour qui se fait seulement pour jouir, non plus pour respecter les demandes de l'espèce. Elle jouit plus d'ailleurs à la ménopause. Il n'y a pas de diminution de la libido, comme certains peuvent le croire. Il y a une augmentation de la libido qui, comme parfois la morale de la femme ne le supporte pas, produit des maladies. Donc on dit que dans la sexualité humaine, dans les deux grands moments de la sexualité de la femme, c'est donc la puberté et la ménopause, des grands changements, et que dans les deux cas, il y a une augmentation de la libido. Nous recommandons la psychanalyse à toutes les femmes. Vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone 0034 626 89 02 34. 0034 626 89 02 34. La sexualité féminine, sans psychanalyse, est traquée par la maladie et par la mort. Quand, en fait, c'est le début d'une nouvelle sexualité dissociée de la reproduction. Si on lui murmure à l'oreille des mots d'amour, son vagin se lubrifie comme à 17 ans. Le désir ne vieillit pas, l'âme ne se rit pas. La meilleure chose que l'on devrait pouvoir faire pour le troisième âge, c'est de lui enseigner à faire l'amour avec des rides, avec la flaccidité, parce que là, quand on aime, il n'y a pas de corps. C'est magnifique. Ben, c'est une possibilité. Le sexe ne tombe pas. C'est-à-dire que le désir continue jusqu'à la fin. On dit même que la mort survient quand l'être humain arrête de désirer. Et pour conclure, quelques vers de Ménassa. Femme ou science, peu lui importe. La femme doit être exemple de liberté. Et la science, tout en étant complexe et exacte, doit pouvoir aimer le monde, le transformer. Bon, et nous serons ravis si vous pouvez nous écrire. Je vous laisse le mail, c'est lasexualidadfeminina@gmail.com. lasexualidadfeminina@gmail.com. C'est en version espagnole. Mais vous pouvez trouver l'adresse écrite dans les canaux de YouTube ou de e-box. Donc, nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. Et pour l'instant, nous vous laissons avec la chanson « Amour 2000 ». Au revoir Léna, à la prochaine fois. Au revoir Clémence. À bientôt, ciao. Es una voz inconfundible la que me confunde. Los vientos detenidos clavándose en mi tiempo. Recurren a las más viejas fantasías de olvido. Y en ese punto negro de la memoria surge el poema. No es una sustancia, un ser que atraviesan la nada, es nada lo que se come, la sustancia atravesando el ser, es huecos de huecos, el infinito que me mira. Línea sobre línea generando.
Opongo al misterioso siglo del vacío perfecto, la carne desmesurada abierta de tus ojos, la sangre de tu boca herida por lo insondable. Opongo a la siniestra ceguera universal, incandescente luz del choque de los cuerpos, la magnética luz de tus palabras, amándome, amándome, amándome. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho a mejorar mi francés. En los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Cambio, en las clases de inglés que hacemos en Servicio Lunis, pues son muy interesantes porque te motiva mucho, hacemos cosas que nos gustan, te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más, y la verdad es que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ella con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.